Revue Gaffe à Génération Urbaine et à tous ceux qui suivent, l'album est dans les bacs, je vais grand. Voilà. Petit microbe sur son big cross. Yama. Ce qu'on veut, c'est devenir big boss. Yama. Salut Sams. Salut. Merci d'être avec nous. Je te laisse te présenter. Sams, rappeur, comédien, rappeur au sein de Beaumont Musique, originaire de Bordeaux. Ok. Ton album est sorti en octobre dernier. Mm-hmm. Dieu est grand. Mm-hmm. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Parce que c'est un constat de vie. Ouais. Si tu veux, c'est après, si tu écoutes l'album, tu as vu, il y a beaucoup de morceaux introspectifs, ou c'est sur un ordre chronologique. Et en fait, c'est par rapport à plein d'événements qui me sont arrivés, négatifs comme positifs, qui fait que j'ai eu ce constat qui est celui-là. Mais c'est en aucun cas un album religieux ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je fais vraiment la distinction entre. Explique-nous le choix de la cover. On a vu sur les réseaux sociaux que ça a été difficile. Ah, c'est... Comment ça s'est passé? En fait, la cover, au début, on avait une première cover. Et moi et mon graphiste, en fait, on était à demi satisfaits. Enfin, pour nous, ça ne reflétait pas tout ce qu'il y avait dans l'album. Donc, et en fait, quand on devait rendre tout avec la cover, etc., t'as Yous qui me dit. Et les gens du label qui me disent, bon, c'est comment pour la cover? On me dit, ouais, non, t'inquiète. Donc, on devait la rendre. Et donc, du coup. On a vu qu'il s'est impatienté un petit peu. Il s'est impatienté, m'a envoyé un message que j'avais mis là sur Facebook, ça a été relayé. Et on n'avait vraiment pas la cover. Donc, du coup, mais ce coup de promo, on va dire, ça m'a aidé à pouvoir bien finir sur la cover. Et en fait, on a pris un constat tout simple. J'ai pris plein de photos d'archives de chez moi, plein de trucs, des papiers, des trucs depuis de l'enfance que je gardais ou dans ma chambre quand j'étais chez mes parents. On les a posés par terre, en fait. On les a posés par terre et après, on a pris en photo. Et pour moi, c'était... Et en dessous, en fait, en dessous des photos, il y a des cahiers où il y a des textes de rap. Et en fait, pour moi, ça illustrait parfaitement ce qu'il y a dans l'album. C'est-à-dire que ce que tu ouvres, c'est ce qui va ressortir de l'album. C'est pour ça qu'on voulait avoir une pochette comme ça. Je fais mon bif avant que les flics s'en mêlent. Sous le clic-clac, les lâchons de mille m'amènent. Pas de mic-mac, vive l'argent du deal m'amène. Celui qui me cache ma parole, je nique sa mère. Y'a ma... Tu évoques aussi la jeunesse dans les quartiers, dans deux gros titres, Microbe et Les 24 heures du banc. Mm-hmm. Parle-nous de ces deux titres. Si tu veux, Microbe et 24 heures du banc, c'est des... Moi, ils étaient nécessaires à apparaître sur l'album. En fait, je me suis rappelé moi à l'époque, justement, quand j'étais au quartier, et que voilà, et si tu veux, je me suis mis dans cet état d'esprit-là. C'est pour ça que dans Microbe, tu veux, je parle à la première personne, comme je dis, moi je parle comme si t'étais sur le moment. Parce que si tu remarques, même aujourd'hui, t'as vu, les jeunesses, même si tu grandis, les autres générations, elles viennent et ils passent par les mêmes... Certains parlaient même des boires. Ouais. C'est pour ça qu'à la fin du morceau, je dis, pour info, je m'appelle Moussa, je n'ai que 18 ans. Ouais. En fait, je raconte l'état d'esprit dans lequel j'ai pu être quand j'étais petit. Mais en aucun cas, je fais ni l'apologie, ni je fais du misérabilisme, en fait. Ouais. C'est juste que j'explique à un instant T qu'est-ce qui peut te passer par la tête par rapport à telle chose. Tes recruteurs sont venus pour moi à cause d'une lettre de renvoi. Daron m'a mis sanction au Girondin, j'ai pu dire au revoir. Je l'en veux pas pour lui, le taf, c'était l'usine ou maçon. J'ai passé l'année à la thèse, mes potes centres de formation. Le titre FFF, est-ce que ça te concerne? C'est ma vie. Ouais. Dans ma carrière dans le foot. Quoi. Ouais. Elle est plus longue, hein. Il y a d'autres choses qui se passent. Le morceau aurait duré 10 minutes. On aurait pu te recevoir aujourd'hui en tant que footballeur, peut-être. Vous auriez pu, hein. Ouais, ça se trouve. Ouais. T'as joué à Libourne? Oui, à Libourne, ça également, sera, ouais. Donc le même club que Valbuena. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son affaire en ce moment? Qu'est-ce que tu en penses? Moi? Ouais. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Mon point de vue, j'ai envie de dire, c'est tombé sur lui. Après, ça arrive à plein de monde. Hein. Je veux pas cracher dans la soupe, mais surtout dans ce milieu-là, dans le milieu du foot, tu connais, hein, les filles, tout ça, la célébrité, etc. Après, après ce qu'a fait Benzema, c'est. Je pense que. C'est un cercle vicieux. En fait, j'ai envie de dire, ça arrive à plein de photos, ces histoires-là. Sauf que voilà, c'est deux personnes qui sont bien médiatisées, donc forcément. Grâce au talent, un crack du ballon, blanc en première ligue, enchaîne les buts, c'est pas trop tôt les mecs, on compare à un.
Gian El Cap, y'a ce coup de fil de Domenech. Est-ce qu'on peut dire également que tu es comédien? Oui. Ouais. Oui. Parle-nous de ça, comment tu es rentré dans le milieu? Ben, on faisait des courts-métrages à l'époque, ça plaît, on avait une association qui s'appelait En attendant demain, et c'était pendant les émeutes 2006, etc. Et en fait, on faisait du court-métrage, nous, justement, pour montrer notre image. Notre image que les gens avaient du quartier, quand tu voyais les documentaires sur les grands reportages, où on voyait toujours, ils disaient, etc., etc. Et du coup, nous, on se mettait en autodérision. Donc, on faisait des vidéos, mais c'était pour le kiff. On mettait ça sur Internet. Puis en plus, c'était au début de YouTube où vraiment... Ouais. Puis ça a quand même pas mal marché. Enfin, les Bordelais ont beaucoup suivi. Et il y a eu du buzz, les Bordelais ont suivi, même dans toute la France, ça a suivi, etc. Et du coup, Canal+, enfin, Bruno Gassiot, ils étaient venus nous voir, ils nous avaient proposé de faire un film en 3 épisodes sur Canal+. Donc du coup, tu fais en aiguille, on est tombé dedans comme ça. Et moi, tu fais en aiguille, voilà, après j'ai évolué. Mmh. Est-ce que tu as des projets au cinéma aujourd'hui? Ouais, je suis sur 2 tournages là. On peut en savoir un petit peu plus? Ah, un petit peu. C'est un tournage, c'est une belle histoire, c'est un film français. C'est un artiste qui a écrit le film avec son... Donc vous en saurez plus, je peux pas trop en dire. Et l'autre, c'est, je peux pas beaucoup en parler, mais c'est quand un film français, voire international. Hein? On aura des nouvelles de quand de tout ça? Là, dans les mois qui arrivent. Ouais. Ok, concernant la musique, c'est quoi tes projets là à venir? Je suis toujours sur la promo de l'album du Grand qui est sorti. Il y a des morceaux qu'on va clipper, il y a beaucoup de concepts. Et je suis sur aussi d'autres projets, même qui mêlent la fiction et la musique aussi. Même. Foot ou rap? Rap. Rof ou Booba? Sam's. Le dernier film que tu as regardé? Les 8 salopards. Chicha, menthe ou fraise? Menthe, sucrée même. Youssoupha ou Espi? Sam's. Chante la première chanson qui te passe par la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Bordeaux ou Paris? Bordeaux. T'as la grosse tête? Non. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. La vie, l'école, les keufs, l'avenir. On s'en bat les couilles. Petit microbe sur son bitros. Si j'ai caché dans le Levi Strauss, à fond dans le SNES, vive la thèse, ce qu'on veut c'est devenir les big boss.